C'est Gabriel qui est sur le trampoline. Le troisième public, c'est Laurent. Et les figures qui démarrent maintenant. Le saut au milieu arrière en position groupée. Le tête en position capée, vous voyez que les jambes restent tendues avec un rapprochement vers le corps. Et enfin, la position tendue, ce sont les trois possibilités de rotation dans l'espace, groupée, capée et tendue. Gabriel qui a été vice-champion de France par l'équipe en National 3 la saison passée. Il laisse sa place à Lucas maintenant, qui aussi représente le club de l'Olympique de Jean-Lépin. Lucas qui faisait partie de la même équipe qui a été vice-champion de France l'année dernière. Et là on rentre dans le vif du sujet avec, vous voyez les figures en alternance en avant et en arrière. Simple et double rotation enchaînée. L'objectif en compétition est de réaliser 10 figures différentes qui doivent s'enchaîner les unes aux autres. À la Poitou maintenant sur le trampoline. On va monter progressivement dans la difficulté. Donc vous allez voir petit à petit les figures de plus en plus complexes. Et une grande amplitude déjà. Hein, on est sur des sauts qui sont qui avoir été 7 mètres de hauteur à côté du sol. Une pied demi sur un saut périlleux. Alain Guadou. De même que Joshua Farou qui est actuellement sur le trampoline, qui sera également de la compétition en cette fin du mois d'avril. Un exercice spécifique du trampoline, puisqu'on peut arriver sur les pieds, mais également sur le ventre et sur le dos. Vous avez vu le trois quarts de supérieur arrière arrivé sur le ventre, maintenant trois quarts de supérieur avant arrivé sur le dos. Joshua Farou. Le fait qu'on a très peu de vision de la toile avant d'arriver pour le rebond suivant, c'est une figure déjà assez complète de niveau international. Carpé, double avant, carpé, demi-vrille. Double arrière, carpé, une demi-vrille dans chaque tour. Oh, très belle série de rotation par Marine Gilbert. À la Poitou de nouveau sur le trampoline. Alan qui a été quatrième aux Jeux mondiaux en synchronisé avec Joshua. Même principe, une alternance de rotation vers l'avant et vers l'arrière. Une combinaison de double rotation avec le triglutique. J'en profite pour rappeler l'échéance du 28 et 29 avril prochain, où nous accueillerons les 5 meilleures nations européennes pour la première édition de l'Anti International Trampoline Cup. Axel, 1, 2, 3, triple avant, 2000 la première des plusieurs rotations de cette démonstration, vous avez vu, 3 tours en position groupée et une 2000 pour toute cette figure. Je crois qu'on entame le dernier passage de cette démonstration avec Joshua Farou qui va vous présenter justement un enchaînement de triple rotation alternée avec des choses plus simples. Et vous allez voir la différence de rapidité dans la rotation. Il va commencer par un triple avant-carpé avec demi-vrille. Très grande amplitude pour pouvoir justement avoir le temps de réaliser la figure. C'est parti, triple avant-carpé, demi-vrille. À nouveau un triple, groupé demi-vrille. Et ça continue. Tout avant une vrille et demie, tout derrière deux vrilles, et tout derrière trois vrilles. Merci d'accueillir Joshua Farou, ainsi que tous ses collègues ici présents aujourd'hui, pour célébrer avec nous la fête du tennis de table.
Marine, Gabriel, Lucas, Axel, Joshua et Alain, vous saluez, mesdames et messieurs.